Bon, ce serait bien de réussir à débloquer ce régiment-là, mais ça va être long. Est-ce qu'on ferait pas un peu de switch sur la Normandie? La Normandie, on en était où? Parce que la Normandie, ouais, la Browning, c'est pas pour tout de suite. Papa, Stalingrad, c'était un peu sympa. Ah, Berlin, sinon, Berlin, c'est toujours cool, hein. Berlin, on fait des trucs assez sales, allez, on va repartir sur Berlin. On va faire un peu de bataille, bataille urbaine, là. Peut-être Berlin et Stalingrad, on fera moitié-moitié. On peut acheter des soldats, bien entendu. Avec une nouvelle offre. C'est fantastique. Qu'est-ce que ça donne envie? Eh oui, on avait du coup un nouvelle team de snipe. Avec la SVT 40 qui est toujours du très très bon. Voir ce que ça va donner. Et voilà, au bout d'un moment, pour gagner des batailles, il faut aller les chercher. Là, logiquement, ça devrait bien se passer. Je me souviens plus si, du coup, quand j'avais commencé la découverte, on en gagnait des games en campagne du Pacifique. Je me rappelle plus à quel point c'était l'enfer. Bon, comme d'hab, on va garder notre ingé. Oh non, mais je veux bien jouer l'ingé. Je veux bien Timofey. Ouais, bon là c'est pas trop dur. Et là par contre les batailles urbaines dans Illicite c'est du plaisir. C'est des petits kiffs. Petits kiffs perso. Ah et putain il y a la farm du Styrie, c'est vrai quoi, là on l'a farmé donc on a absolument tout, donc faut pas lésiner. Hop, allez go direct, c'est parti. On reste frais. Oh la SVT. Merde. J'étais trop content de retrouver la SVT 40. J'en ai perdu mon. Ma bonne manière de jouer, quoi. Y'en a encore ou c'est bon? Ah qu'est-ce qu'on a... Oh, une lunette de visée. Allez go. Go go go, vas-y. Ça me va. Peut-être monter à l'étage. Fin d'artillerie active. Oh! Et merde! Bon vas-y, on va prendre le point. Soigner aussi un peu. Allez, y en a d'autres? Je suis chaud, hein. Ça, la DP-27, ça y va. Oh le bâtard! Oh le bâtard! Non, non, mais je suis caché, tu m'auras pas. Ah, mais par contre. Oui. Elle avait l'air hyper fixe la DP. Hein. Ah, c'est un plaisir! Tu vas où? Tu vas où? Voilà.
Pourquoi avoir un sniper quand tu peux avoir une DP-27? Ils sont tous là en fait. Les gars on les voit pas mais ils sont là. Ok, ça balance des fumis, ça fera diversion. C'est pas évident de les voir. Il nous reste 30 secondes pour un tir d'artillerie. On a un tank au bout, donc on va l'esquiver. Il me faudrait peut-être des munes à un moment. On va quand même indiquer qu'il y avait des mecs là. Je crois que le tank vient d'exploser. Donc on prend le point et c'est plié. Tir d'artillerie dans 5 secondes. 2 1. Нужна поддержка артиллерии. Понял, подтверждаю огонь. Alors ça touche mais ça tue pas. Hein. Dommage. Putain, ils sont tous débarqués d'un coup. Tout va bien. Bon, faut qu'on remette de toute manière un point de spawn. Il faudrait qu'on arrive à tryhard un peu cette squad là. On la grind. Il faut qu'on pex, let's go. On a juste à mettre un point de spawn un peu à l'arrière là. Dans les débris. Bon, faut quand même faire un peu gaffe. On n'est pas chez nous. Putain, je suis trop près, merde. Oulé. Bon, ici, c'est bien. Bon, logiquement, il sera encore utilisé, même quand on aura fini la capture, vu la vitesse à laquelle ça va. Donc on est bien. C'est bon, j'ai le meilleur spot. Ah bon, pour ça il faut savoir viser. C'est bon. Je suis bien là. Ah, mon sniper s'est fait défoncer, hein. Ça c'est dommage. Là, c'est presque dommage qu'on puisse pas prendre le point dans cette pause. On va peut-être aller les aider quand même. Il est là-haut, ça va être chaud. Quoique. Ah ouais, le mec il est sérieux quoi. Ok. Je suis aveugle.
dessous. C'est trop bizarre, j'avais l'impression d'entendre des mecs genre chuter et tout. C'est trop calme. C'est trop calme, c'est pas normal. Hein. Il faut vraiment plus de munitions dans des... Dommage! Au meilleur moment. Bon, en vrai, ça me dit bien d'aller flanquer par la droite. On y arrive bien dans ce couloir. On va essayer d'y rester. Ouais, mais par là c'est un peu le mauvais plan. Après, merde. Ouais, non. Oh non! Pas comme ça. Pas après tout ce que j'ai fait. Et putain, on a perdu notre ingé! Enfin, j'aurais dû mettre des munitions. Essayez de vous planquer au moins un minimum, s'il vous plaît. Allez, qui bouge à ce moment-là. Allez, les IA qui pètent des câbles comme ça, mais... c'est infernal. Point. Oui, bah ça va, on essaye. Fait ce qu'on peut. Bah. Ah, mais on a un flingue. Comme c'est intéressant. Du coup, on peut pas aller dans le bâtiment d'à côté, en fait. Si, peut-être. Ok, pas la peine de s'inquiéter. Ah, mais c'est dommage qu'ils aient pas fait un trou pour aller dans le bâtiment d'à côté. Ça aurait été bien, ça. Ça aurait été pratique. Ah. Et merde. Ça semble péter la cheville, mais visiblement, c'était pas possible. Les escaliers. J'ai l'impression qu'il y a des mecs à l'étage. Problème de Pasquale. Ah oui, mais c'est vrai que j'ai un mitrailleur avec moi. C'est cocasse. On peut continuer, il nous reste encore assez de balles. On a à peu près toute la team sur le point, donc ça va, on peut rester en défense pour aider les gars.
Oh, c'est une blague. Oh putain. Change d'arme par pitié. Eh bah c'était laborieux. Il y avait quoi lui? Le car? Non mais celle-ci ça va, ça se fait bien. Dur. Dur mais juste. Bon bah on va continuer notre petite balade par la droite, ça se passe pas trop mal. Là, par contre à Berlin faudrait peut-être que j'épure un peu les squads, hein. Il y a tellement de monde. D'un côté c'est vrai qu'avoir un sniper, un mitrailleur c'est plutôt efficace. C'est toujours une bonne idée d'avoir un artilleur. Heureusement ce trou est bien placé. Nickel. Que demander de plus? Ok, il y a eu un pic par la squad. Et on va pouvoir faire deux petites pauses. C'est rajouter des mines au cas où. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous foutez là? Allez go les gars. On pourrait presque mettre là, le truc ici quoi. Même là en fait. Oh. Dis donc! C'est pas très sympa ça. Les choses je veux bien, mais ça. Je vais le toucher, je vais le toucher, je vous assure. La grenade, la grenade, la grenade, renvoie la grenade, renvoie la grenade! Y'en a d'autres? Oui, y'en a d'autres. Mais les teams, elles font quoi? Je me fais déborder par derrière. Merde, merde, y'a une grenade, y'a une grenade. Genre avoue, c'est un pote qui l'a renvoyé pour que je me la prenne dans la gueule. Non, on va dire que j'ai rêvé. Pousse-toi dehors! Oh putain, t'es sérieux? Ah! C'est compliqué. C'est plus lequel est le mien. On va aller lui, hein. C'était lui, parfait. On peut peut-être essayer de passer plutôt par là. Ok, ça passe. Et bienvenue. Bienvenue à toi, Salami. Tu vas bien. Il y en a un peu beaucoup, on va pas se mentir.
C'est compliqué. Bonjour à toi. Du coup, bienvenue, on se refait une petite campagne à Berlin. On a refait une petite campagne pacifique, donc là on est plutôt retourné dans des campagnes urbaines. Parce qu'il y en avait marre de se faire laver. Ça c'était sûr. C'est vrai que je veux bien parler du concept, pas de problème. Littéralement ça marche. Écoute, bienvenue. Si tu préfères parler anglais, y'a pas de soucis. I can speak English too. But I don't speak German very well. And not at all. Yup. Oh, ça va être compliqué. Mais de toute façon, ce point, c'est toujours l'enfer. J'ai pas assez de balles. J'ai pas assez de balles. Faut des munitions. Pas de munitions, pas de munitions. Merci. Mais je suis con. Forcément. Voilà, allez. Il nous reste qu'un point. On est bien. Voilà, tout de suite, hein, quand on passe à des combats urbains, ça se passe tout de suite mieux. On va pas aimer être à sa place. Ah, là, c'est le fameux couloir de la mort, et on connaît. Ouais, on va le mettre là. C'est pas trop mal. Bon, c'est cool, on a fait pas mal de kills avec cette escouade, vu qu'il faut qu'on monte un peu de niveau. C'est l'escouade de sniper. On va mettre des munitions. Voilà. Ça me semble pas mal. Ok, on peut pas aller par là. Et bah, direction le couloir. C'est parti. De toute manière. Bon, visiblement, lui, il en avait marre. Bonjour. J'ai pas de grenade. Et qui en a besoin? Derrière toi! Et bah voilà, c'est bon. On tient la ligne ici et on est peinards. Hein. Je pense que là, il n'y a pas trop de problème. On fait comme si tout ce qui avait autour de nous n'existait pas. Et on est bien. D'accord, c'est une grenade, on va quand même faire gaffe. Eh ben nickel! Voilà! Qu'on a à faire? Qu'il fallait faire, c'était gagné. Oh là là, et on a même été promu lieutenant, si ça c'est pas beau. Comme quoi. Pop, 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 pop. Qu'est-ce qu'on a? Fixation des kits, plan de position. Allez. Les améliorations, c'est parti. Sniper. Sniper, sniper, sniper. Un canonnier. Je pense qu'on va plutôt prendre un mitrailleur. Ah, c'est le Panzerfaust en vrai. Oh, pas facile, facile. C'est pas non plus. Après un snipe. Ouais, un canonnier, on lui donne le SVT 40, donc en vrai, pourquoi pas. Pourquoi pas le Panzerfaust? En vrai.
Allez, on va en faire une dans la bataille de Berlin. On est pas trop mal niveau ticket en vrai. On n'utilise pas tant que ça vu que dans la plupart de nos batailles là on a plutôt des bons des bonnes escouades en place. On n'a pas vraiment besoin de se battre pour en faire des meilleurs. Donc en soi, c'est pas trop mal. Bon, la SVT-40, hein. Ça c'est du plaisir. Quand ouais, on avait débloqué, alors normalement c'est dans celle-ci, on avait débloqué le SVT-40 Sniper, mais... Oh, l'angoisse. C'était pas terrible, terrible. Jardin du ministère... Ça, normalement, il devrait pas y avoir trop de problèmes. Ça devrait plutôt bien se passer. Là, si on démarre de là, ou est-ce qu'on démarre de l'autre côté? Ah oui, mais là c'est facile. C'est bon. C'est bon, j'ai. J'ai la strat. Vous inquiétez pas. Ça va très bien se passer. On n'oublie pas, bien entendu. Hein. Allez hop. Ensuite, on va basculer pas sur le sniper du coup, parce que bon, c'est pas vraiment la meilleure strat. Donc là, on va rentrer dans le bâtiment. Par contre, je sais pas. Je veux dire, franchement, c'est bizarre. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils sont aussi loin. C'est pas trop étonnant vu que je leur ai dit d'attendre derrière. Allez, on rentre dedans. Hop! Ah putain de lance-flamme de merde. Et je me suis trompé de bouton, je suis mort. Oh mais les lance-flammes, mais sans déconner, mais... Putain, il passe devant! C'est pas du tout des tirs de la panique, hein. Tout était contrôlé. C'est pas du tout le stress. Mon ralliement a été détruit. Oh, je crois que c'est pas bien grave là. Quel bordel! Toujours un plaisir, hein, les combats urbains. D'accord. Sinon, je peux me battre, hein, y a pas de souci. On va laisser le sniper derrière. Hop. Et on y retourne. Toi, il est par la droite, je pense. J'ai un mauvais souvenir de la gauche avec le lance-flamme. On va rester de ce. Mais genre, mais la portée! Oh putain, le mec il a l'autre bout du bâtiment! Ah, ça me sidère la portée du truc. Oh là là, mais vas-y, mais on en a pas achevé un seul! Ok.
Ok, je vais rester là. Ah merde. Non, non, mais je veux bien. Quelle indignité. Allez, ça repart. Oh là là, non mais pas ça. Pas lui. Putain. Ça a jamais été aussi vénère. Une game comme ça, quoi. C'est le bordel. C'est intense. Ok, ok. On y arrive, on y arrive. Prends notre temps. Allez, sans buter. Plutôt essayer de passer par là, je pense. On a le temps qu'on soutient en plus. Bon. Si on tente ça. Putain, je l'avais pas vu. Merde. Tout va bien. Ok, tout va pas bien, tout va pas bien. Ah putain, il est rentré par le côté, merde. Ouais, en fait, j'étais le seul pratiquement dans l'intérieur du bâtiment. Bon. C'est pas grave. Ce n'est que partie remise. Ça se fait, ça se fait. Ça se fait, ça se fait, ça se fait. Décaté, mon beau, bouge pas. Et merde, et merde, et merde. Ça passe. Toc, toc, toc. Ah bah joie. Non mais le SVT 40 ça me va bien hein. J'ai pas besoin de plus hein. Ils sont quand... Quoi, on m'a éternué dessus? Ils ont réinstallé des barbelés, j'avais pas vu. Non, pas la grenade. Pas la grenade. Oh là là, putain.
chier, je n'avais plus qu'une balle. Je sais pas où il est. Il est mort. Il y a une grenade. Très bien, j'accepte. Il était motivé lui, moi j'aurais pas fait ça, mais après, qui suis-je pour juger? Et c'est parti, c'est mon moment. Attends, je l'ai pas vu. Bon, dans la file d'attente, on peut attendre. Ça va vite. J'ai l'impression que ça ne bouge pas parce que le mec me passe devant. Oh, et à d'autres. Derrière toi. J'ai plus de balles. Putain de bordel de merde. Ah si seulement on avait un pistolet qui... à bout portant, qui pouvait faire des dégâts, mais visiblement c'était une technologie qu'on ne savait pas faire à l'époque. C'est trop complexe de faire autre chose qu'un pistolet à billes. Pas de problème, on va la capturer, la position, pas de soucis. Ok, on a perdu tout le monde s'est fait saucer la gueule. Pas de problème. Reste frais. Ça, le secret. Intéressant. Bon, généralement la bonne strat, on suit la tranchée et on met un point de ralliement un peu sur la droite. Comme ça, ça esquive un peu le bordel. Et a-t-il besoin des coordonnées de l'ennemi? Bah franchement, l'objectif, c'est pas forcément une mauvaise coordonnée. On va laisser notre squad ici. Hein. Et on a tenté le point de ralliement là. Ah oui, l'autre, ils ont fait un point de ralliement sur le spawn ennemi, d'accord. Pas sur le point, pas de problème. On fait comme ça. On a toujours nos snipers, donc ça c'est bon deal. Hop, regardez. On va aller faire un petit tour derrière les lignes ennemies. Qu'est-ce qu'il y a de beau?
Oui, mais d'accord. Ah oui, non, mais il y a peut-être un petit peu de monde. Bah ouais, mais là, forcément. Oh genre. Oh la déception. Bon, on parle de la SVT 40, donc bon, pas besoin de viseur pour ça. Trembler de partout, s'il vous plaît. Merci. Rabat-joie. Les corps des ennemis, ils sont là. Je vais nulle part. Merde. Oh putain. Bon, c'était peut-être un peu dur là. Visiblement, ils savent qu'on est là aussi. Enfer. Parce que la team n'arrive pas à avancer, c'est terrible. Ah, t'essayes de les couvrir de loin, mais c'est chaud. Qu'est-ce qu'il fait là, l'aviateur? Putain. Dur. Et ouais, je n'ai pas surveillé l'aviateur. Besoin des coordonnées de l'ennemi, mais putain, mais ça a pas changé depuis le début. Hein. Toi, tu me diras, en avion, c'est l'enfer. Et merde. Ça veut pas, ça veut pas. Hein. T'as beau essayer. Hein. Oh, faut qu'on aille sur le point là. Il m'a pas pris. Il m'a pas pris l'ordre. Allez, go sur le point, les gars, c'est pas grave. C'est quoi, c'est un allié qui me tire dessus ou...
c'est 6 morts. Tiens, il se ramène avec un char. Ok, 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 c'est bon, vous avez gagné. On vous laisse le point. Allez. On se met d'accord, on vous le laisse. Putain, c'est vrai qu'il y a des mortiers dans le jeu. C'est efficace, ça serait. Non mais tu vas toucher quelqu'un au bout d'un moment. Je t'assure. Ah si, il touche des mecs quand même, c'est le RM38. Il a dû tuer deux mecs. C'est... 3. Une certaine efficacité. Oh, dur. Dur, dur, dur. Bon, ça avait bien commencé, hein. Bon, on s'est fait stopper net là-dessus. Je sais pas trop pourquoi on a eu autant de mal à avancer. Écoutez, j'étais pas trop avec les mates. Ouais, c'est bon, il y a tout. Bon, on va faire un peu de Stalingrad. Ah, quoique, il y a Moscou. Allez, Moscou. Ça fait longtemps. Varie un peu les plaisirs. Ah, tiens, l'OST de Cult of the Lamb. Ça fait longtemps. Ah, ça va être ce genre de map. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué, mais on y va. Putain, par contre, l'escouade, elle a aucun sens. Deux artilleurs. Pas de problème. Oh, les mecs, ils ont réussi à tirer plus vite que moi, quoi. Quelle déception. Allez, tout le monde sur point, c'est parti. C'était sûr. J'ai absolument pas la bonne escouade pour. Ah, je l'ai pas vu. Et ouais, on peut pas passer par là. Jamais passer par l'intérieur. On va se focus sur l'extérieur ou alors contourner en faisant tout le tour. Et puis là pour les voir c'est chaud. Hein. Et bienvenue, bienvenue Farlen. J'espère que tu vas bien.
Ah, les bots qui convulsent, ça surprend. Hein. Ah mais y'a un tank à l'extérieur, bah oui, bah évidemment. C'est mec, il pourrait définir ça comme infernal, mais ça va. C'est un dimanche quoi. Tank, le tank. C'est une grenade. Je l'ai pas vu. Ça fait un peu mal. Il faudrait qu'on fasse un autre point de spawn. Histoire qu'on en ait pas qu'un seul. J'ai cru me souvenir que là, il y avait moyen d'aller dans les combles. Eh oui. Toc, toc, toc. Oula. Oui. Et ouais, voilà. Ouais, ça va, jamais. On va peut-être quand même barricader la fenêtre. Parce qu'il y a peut-être moyen que ça finisse mal. Voilà. Parfait. Bon alors visiblement la domination est totale. On va laisser les mecs en bravo. Voilà. Les mecs ont l'air de ping par là-bas. Il y a le char quoi. Flamme, lance, flamme, lance, flamme. Prends le tube. Il venait d'où comme ça? Il y en a un qui joue du klaxon. Oh, c'est même pour rigoler. Ça te calmera. On peut leur laisser Charlie quoi, ça va. On n'est pas à ça près. Hein. Eh ben elle était rapide celle-là. Ah, moi de côté.
Reste avec le fusil Mosin en vrai. Parce que bon, la Madsen c'est bien, mais là, vu que c'est plutôt du combat à distance. Je vais dire ça, il y a un mec qui va me foncer dessus au corps. C'est sûr. Capturé Bravo. Putain, mais je les ai même pas vus, genre faire la capture. Bon, bah logiquement. Oh la guerre. Ah merde, c'est pas la bonne. Et merde. C'est là. J'aurais pu la descendre. Ouais bah c'est gagné hein. La victoire est pour nous. Bon allez, on va faire une dernière, je vais faire une petite pause. Est-ce qu'on reste du coup, on va taper un peu de la Normandie. Filtre Zenlicide, coucou Fredo. Comment ça va? Normandie, ça fait longtemps. Allez, un peu de Normandie. Ça va bien. Un peu fatigué, encore un peu de tout, mais ça va. Fais une petite après-midi enlisted là. Après, je fais une petite pause. Et ensuite, on termine à l'O2. On y croit. Je réponds à ta question. Non, on va finir aujourd'hui. Je voulais juste faire un petit peu d'enlisted aussi parce que j'avais envie de retourner un peu dessus. J'ai quelques demandes sur YouTube. Donc je vous ai compris. Voilà les VOD. Non, en même temps, j'avais envie de retourner. Ouais, le Pacifique, par contre, c'est toujours aussi dur. Hein. Mais quelle magnifique arme, arme grise. Putain, c'est vrai qu'on a le nouveau sniper chez les Ricains. C'est vrai. Et on va se faire instant tuer, parce que c'est l'enfer ici au début. Ils ont rajouté un très joli brouillard par contre, y a pas à dire. On va se balader à Silent Hill, c'est parfait. Alors bon là, faut juste défoncer les nids mitrailleuses. C'est aussi simple que ça. Encore faut-il y voir quelque chose. Parce que le viseur est pas particulièrement opti pour ça. Et j'ai oublié à quel point du coup l'OST2. Pourquoi j'ai pris feu? À cause de ça là, vraiment. À quel point l'OST de Cult of the Lamb en vrai était quand même assez cool. Un peu chill mais qui fonctionne bien. Eh mais j'ai personne pour me donner des mules là. Ça c'est chiant. Alors on va surtout servir de défense et défoncer les nids de mitrailleuse.
que les MG42 c'est pas très gentil. Hein. Donc, on va surtout aider les bros. Hein. On va les laisser avancer. Silent bitch. Bon, le silent on repassera. Ah, bah en soi, quand t'as pas un bruit constant des MG42 dans les oreilles, ça va. Hein. Vas-y, vas-y. Viens la prendre. Viens la prendre ta MG42, t'inquiète. Je t'assure, il va rien t'arriver. Merde. Dommage. Putain, les munes, merde. Personne qui veut poser des munitions, là? Personne qui est... qui... ouais. Parfait. Surtout, n'hésitez pas à les prendre, les MG42, hein. Vasquez. Ah putain, Vasquez! Notre bon vieux Vasquez qui va se faire défoncer parce qu'il y a un mec à la mine mitrailleuse ici. Là-haut. C'est bon, il est mort. Ça va, les mecs ont l'air d'être un peu au taquet. Y'a des mecs là. Y'a des mecs là, y'a des mecs là, y'a des mecs là. Y'a des mecs à la mitrailleuse, bordel! Bon, est-ce que t'as passé un bon week-end, Fredo? Salaud. C'est vrai que le M1 garant par contre. Précision. Ils sont partout. Eh, c'est l'heure du bon vieux Hammond là, de faire ses preuves. Il a dépensé sans compter. Barbelé, mais j'en ai marre. Ok, bougez pas les gars. J'ai pile ce qu'il faut pour vous. Hop là. Oh l'enfer. Pourquoi j'ai plus de week-end de 3 jours. C'est vrai que ça manque hein, quand on commence à s'habituer. Ça fait un peu mal. Hein. Ouais, vas-y, on va partir par là. Et bon, c'est pour savourer quand ils reviendront. C'est ce qu'il faut se dire. Parce que si on avait des week-ends de 3 jours tous les week-ends, bah du coup, ils auraient plus rien d'exceptionnel. On serait habitué. On serait trop habitué à avoir des week-ends tout le temps. Même si putain, vivement la semaine de 4 jours. Hein. On l'attend. Hein. Ah mais d'accord, ils sont là en fait. Très bien, première nouvelle. Oh mais ils sont partout. Oh là, et je tue personne, au secours. Et j'ai oublié de faire des munitions, merde. Quoi, mais quoi? Ils sont là. Ils sont là, je viens de balancer ma smoke. Je pourrais être énervé, mais c'est pas mon genre. Est-ce qu'on a un flingue? Oh putain, non, on a le revolver. Il avait un flingue. Est-ce qu'il avait un flingue? Est-ce qu'il avait? Ah. Alors j'ai connu mieux, mais bon. C'est ridicule. Deux petites secondes, j'arrive. Qu'est-ce qu'on a dit déjà? Munitions. Hein. Alors j'ai aucun sniper, donc ça va être sacrément inutile. Ok. Alors certains pourraient croire que c'est complètement débile de faire ce que je fais. Mais... c'est parce que j'ai la technique.
tout n'est que question de stratégie. Et de précision. Voilà. On pourrait croire que du coup ils vont juste savoir qu'on spawn ici et vont nous défoncer. Mais ce serait... J'en ai marre de ces putains de saloperies de merde. Oh non mais... Mais ta grenade elle est où là? Elle est où? Ah et du coup il y a un combat en cours en plus du spawn. Ouais bah le combat de Normandie ça m'avait pas manqué hein, putain. Forcément ils ont l'avantage, ça campe. On chie à camper dans des bunkers là, fait exprès pour ça. Y'en a marre. Mais je tire dans la dune, mais... Ça c'est Rayman. Mais d'où? Qui? Pourquoi? Ouais. Non mais... Comment dire? Si vous pouviez arrêter 5 secondes, j'en prenne plein la tronche, ça m'arrangerait. Donnez-moi un sniper. Pousse. Franchement, là, ça donne pas envie de dire pouce. Bon, désolé pour le gameplay qui va suivre. Il risque pas d'être très intéressant, mais là, il faut qu'on nettoie les lignes mitrailleuses, là, ça suffit. Là, disons que j'en ai marre. Oh non, 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 non. Eh ouais, faut remonter, hein, sinon... Bah sinon on s'écrase, quoi. Ok. Je vais vous arriver gros comme une maison, hein. Je vais avancer, il y a un mec qui va prendre le nid de mitrailleuse. Et je vais me faire défoncer. Belle manœuvre. Ils sont où les petits coquinous? Oh mais les mecs, mais comment t'es censé les voir? Peut-être que tout le principe c'est de ne pas les voir. Ah, j'ai bougé à ce moment-là.
Mais, bah oui, bah forcément. Ils sont où, les gars? Ça venait d'où, sans déconner? Oh putain, aveugle man! Je sais pas où je suis, je sais pas qui je suis, je sais pas où je vais. Attends, mais ça explose, ça, de mémoire. Et ouais, mais putain, mais il faut... Et merde! Il faut une charge. Ou pas de charge. Quel dommage, quel dommage. Quel dommage! En vrai, on peut retenter. Et si ça passe, c'est du génie. Parce qu'en gros là, je refais le même chemin, je mets un point de spawn avant de faire péter la porte. On fait toc 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 et on y va. Et comme ça, ça montre qu'on peut passer par un autre endroit quoi. Mais le problème, c'est que j'ai plus de snipers et qu'ils sont retournés dans le bunker et qu'ils vont prendre le nid de mitrailleuse et que je vais me faire saucer la gueule. Putain! J'ai perdu mon ingé, je le vis bien. C'est faux. Oh là là, vas-y. Mais où tu vas? C'est de l'autre côté. Mais c'est quoi ce... Et le temps qu'il les voit pas là. Il peut pas se dire vas-y. Ah bah écoute. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Allez, on y va, on y va. On y va, on y va. 100% il va pas prendre la mitrailleuse pour me niquer la gueule. J'en suis sûr. Puis on a la M1, la meilleure carabine du... Bonjour. Vous ici, je vous y attendais pas, très franchement. Hein, de bordel, de barbelé, de merde. Là, j'ai presque cru qu'on y était, quoi, tout à l'heure. Hein. De peu, de peu. Mais... Devenir fou. C'est la seule solution qui nous reste. Il nous reste que ça à la fin. C'est que j'essaie de défendre les mecs du bon... Mais putain, mais... Mais qui? Où? Fous-moi la paix, mange tes morts! Putain, j'en peux plus. Vraiment. Merci. On va chercher les munes. Les munes n'existent plus. Eh ben c'est super.
Du coup, comme ça, on peut juste aller se faire foutre. Fantastique. Je suis censé faire quoi de ma vie, moi, maintenant? Oh, tu veux pas mourir, toi? S'il te plaît. Tu veux pas juste mourir? Je prends ton arme et je fais quelque chose avec, quoi. S'il te plaît, c'est pour le travail. Non, putain, y a personne qui coule ce... C'est putain de bunker, mais quand tu coules les bunkers, les mecs ils avancent pas. Allez, George Freeman, là, vas-y. Allez, pose ta caisse. Keep a presque gagné. Ouais, non, mais franchement... c'est pas bien. Hein. Là, je pense que j'ai abandonné d'essayer. Hein. Juste encore essayer de couvrir les bunkers, mais putain... Qui va, y'a rien qui va. Oh là là, putain. Pas le droit, j'ai pas le droit à l'échec. Allez-y les gars, je vous couvre. Bah j'essaye. C'est pas facile facile tous les jours. Hein. Non, ne veux pas croire à la défaite, c'est impossible. Ouais, et bon, on a tenté. Putain. C'était dur, mais on a tout essayé. On pourra pas dire qu'on n'a pas participé à celle-là. Hein. Du coup. Bidi bidi boum. Ouais, non, il n'y a pas grand-chose à faire. Ah bah oui, allez hop. Voilà, c'est ça qu'on veut. Et là, allez. Et du coup, là, faut qu'on rajoute une petite vibe Hearthstone hein, dans celle-ci. Hein. Ah, mais je peux pas. Oui, c'est dommage. Alors, j'ai pas amélioré pour avoir un mec en plus dans ma squad. C'est con. Voilà, on va faire ça. Voilà, on va s'arrêter là pour Enlisted. Du coup, des bisous YouTube, hein, bien sûr. Prends soin de toi et à bientôt.